Ça va être bon? Fini en main? En direct là? Chers amis internautes, bienvenue et nous en direct ici de la cour intermédiaire de. Pour lui, quand la cour fait à jour sur les travaux pour le mardi 12 février, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous pouvons essayer de guetter si nous sommes capables d'approcher avec le ministre Yogida Sominaden, comme je vais trouver ici en ce moment, peut quitter la cour. Voilà le ministre Sominaden qui en ce moment peut traverser ici pour quitter la cour. Le ministre Yogide Sominaden, comment je vais trouver lui? Voilà, qui est entouré. Voilà, départ tranquille pour le ministre Yogide Sominaden. Voilà, c'est sous faute escorte policière à l'extérieur de la cour intermédiaire que. Le ministre Yogide Sominaden fin aujourd'hui quitte la cour intermédiaire pour que la semaine prochaine nous rappelle les travaux fin en journée pour le mardi 12 à 9h30. Nous répète le mardi 12 à 9h30 que la cour pour poursuivre avec ban argument qui fin faire. Nous pour en mesure donner les détails dans quelques instants. Avec l'équipe du panel légal qui peut sortir, comment je vais trouver en ce moment, Rochi Badin, Ruben Murunga Pile, Ramaval Aiden, Anoub Goudari, tout le monde qui quitte la cour en ce moment. Je pense que je vais aller à l'extérieur pour te faire. Voilà, mettre Ramaval Aiden, il y a nous devant la cathédrale plutôt, parce qu'il ne peut pas bloquer la cour, pour ne pas bloquer sa parcours là. Mettre Ramaval Aiden, il y a nous pour adresse à la presse. Voilà, nous rappelle ceux qui nous en direct ici devant la cour intermédiaire que le membre du panel. Voilà, cafouillage un peu ici pour l'entrée de Rochi Badin, Ramaval Aiden et ben les autres avocats. Je voulais amener à ma papa et à toi.
Voilà, dans quelques instants, Roshi Baden, Raman Valaïden, Anouk Goudari, Ruben Mourunga, Pile Sanjiv Dilakdari, pour adresser au public présent, mais aussi à la presse qui est là présent. Nous rappelons que la cour finale jour, nous sommes en travaux pour mardi prochain. Les avocats Sanjiv Dilakdari pour poursuivre avec ce ban argument la validité de la charge dans la private prosecution. Et là, en ce moment, nous, on va l'écouter dans quelques instants encore, les avocats qui pour prendre la parole. Ouais. Voilà, maître Raman Valaïden. Ban, camarade. S'il vous plaît, silence. Dans quelques instants encore, nous pour en mesure, écoute, bon avocat. Je vais pas bouger parce que je travaille. D'abord, nous remercions. Oui, mais faire place. Fin de la semaine journaliste. Allez, bonne camarade qui là, d'abord, laisse-moi remercier l'évêché qui, avec tout courage, il met sa place là à la disposition de tout bon patriote qui là. C'est autres qui sont vrai patriote. C'est autres qui viennent venir. Il vient aujourd'hui, depuis le matin, jusqu'à maintenant, pour suivre qui peut arriver en cours. Et pour moi, ça fait nous un grand plaisir, parce qu'il nous connaît, malgré toutes sortes d'interdictions, et il n'a si pas les peuples. Est-ce qu'il est peuple avec nous, vrai ou non? Est-ce qu'il est peuple et la justice, oui ou non? Est-ce qu'il est peuplé qui nous tire d'un lien sacré et nous peut demander est-ce qu'ils ont les qui tirent tout ça, ben pour y tirer là, une fois pour tout. Donc, ben camarade. Après, nous disons, ben, j'ai moi pour un cadenas, là, c'est de la mer. Donc, ben camarade, ça camarade pour adresser brièvement et après, moi, pour faire moi aussi un petit allocution pour qu'ils nous capables sortir là dans la paix et en même temps retourne vers nos familles pour nous reprendre la force, nous tous qu'il a, hein, pas juste moi, nous tous nos familles, et reprendre la force dans la prière, reprendre la force dans nos convictions pour nous combattre. Mais avant, moi je suis content, je t'applaudis, un dimoun qui hier, nous avons décrit toute l'équipe, m'aurait dit une affaire, un dimoun content communaliste tout issue, mais un dimoun qui m'a dit pas dans ce café pénatrias, pénatrias du tout. Nos camarades s'appellent Bruno, Lipan Père. Et nous m'aurait dit, Lipan Gete, si pas ou appelle Raj, Lipan Gete, si pas ou appelle Sidik, Lipan Gete, si pas ou appelle Amoy, Lipan Gete, si pas qui grand famille, petite famille, l'in toujours tenir tête avec Benjamin qui peut faire dominer. Pour ça, moi, je suis content, je t'applaudis très, très fort. Merci, camarade Bruno. Tout de suite, pour pas jeter un zen frère, camarade Anouk, après un des l'autre, je trouve camarade César dans le fond, fait une petite place pour lui venir, je pas jeter camarade Anouk. Fais une place. Pour commencer, je remercie l'église qui vient de nous une opportunité pour servir sur place ici. Après l'église, je remercie la foule qui est présente avec nous. Merci! Parce que sans autre support, nous pas pour capable la guerre. Merci! Aujourd'hui, nous sommes dans la cour pour la guerre, un point de droit. Un point de droit, mais vous dire aux autres qui question tiens pour répondre. Tiens pour répondre, est-ce qu'il est capable de rentrer une private prosecution dans la cour par voie une source provisoire? Sa même question qui nous fin commence à discuter aujourd'hui et que nous pouvons continuer à discuter mardi. Il paraît une petite question. Mais, discussion là, est bien longue. Mais, répète question là. Question là, c'est est-ce qu'il nous gagne droit à rentrer en private prosecution par voie en source provisoire? Puis, la réponse là-dedans qui, in fine, est écrit quelque part. Nous pouvons donner un argument. Nous pouvons dire oui, capable, l'os, en source provisoire par voie en private prosecution.
nous pouvons encore discuter là. Nous pouvons continuer à discuter là jusqu'à mardi. Mardi, qu'on va faire pour recontinuer. Et que c'est tout qui nous peut discuter là. Un point de droit en cours, pas plus que ça. Ben, juste pour faire autre comprendre qui nous peut faire dans la cour. Et me remercier l'équipe qui fait un travail jour et nuit. Surtout Rossi, Rama, Sandiv, Ruben, Mangrou, tout. Nous pouvons continuer le travail. Et c'est grâce à votre soutien, à votre support, qui nous pouvons capables de continuer le travail. Merci. Avant de passer, vous connaissez quand vous mettez un case. Un dimoun qui ne perdit son mari, il est désaffecté. Un dimoun qui ne perdit son mari, il est un dimoun coquin, madame là. Un dimoun qui fait du mal à une madame, en pestigue la monnaie Covid, et dit soi-disant, il ne paye li, quand pas fin paye li, pour une madame amène sa combat là, il n'est pas facile. Et donc Maurice, je dis, ben monsieur, bizarre pas en colère, pourquoi ben madame, il a 100 fois plus courage que ben homme. Et madame là, l'autre côté là-bas, je suis content, je t'applaudis. Il vient là, applaudis très très fort. Madame Christine, merci. Maintenant, moi, il y a plaisir par autres camarades. Camarades là. Allez, battez Dieu. Madame là, tu nous as montré aussi. Bon, père, grand chose à dire. Venez, madame. Allez, venez, madame là, venez, madame là, venez, place pour lui. Allez, bon, allez. Montez madame, montez madame. Montez madame. Montez la justice. Montez madame. 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 Aujourd'hui, nous trouver comment mafia protéger pas l'ange à contribuer, amener sniper pour une véhicule tank blindé, la police armée. Mais dis-moi, je te casse, je te paye avec je te travaille, je te la sueur. Où peut trouver sniper des véhicules depuis là-haut? La police vient armée avec fusil, juste pour intimider ou intimider nous. Mais non, c'est tout. Merci, réfléchis. Merci. Tout de suite, passe madame, là, je tout envie. Bon, mes yeux, écoute la veuve de Supermanian Kisnen maintenant, madame Shakuntala Kisnen. Comment on peut vivre ça après avec ces deux jeunes, madame? J'ai dit, mon mot aimé, comme on peut dire, je remercie tous votre présence. Mais au commencement, je fais un petit peu, mais après, quand M. Rama Valadin commence à causer les mêmes sentiments, un petit peu correct. Mais on connaît bientôt, nous pour trouver la vérité. Oui, c'est un tout merci. Voilà. Madame, madame l'a dit, bientôt nous vous trouvons la vérité. C'était la déclaration de madame Shakuntala Kisnen, la veuve de Supramanian Kisnen, celui qui filme sa private prosecution contre le ministre Yogi Dasom Laden. À présent, c'est M. Cliff Grenade qui peut adresser. Je remercie moi aussi l'église qui nous donne l'occasion à travers Bruno Lorette pour capable faire sa réunion là aujourd'hui. Ainsi qu'aux autres, il y a tous les membres du public, si peine à zut, nous pas exister. Dans le sens, si peine à zut, ça l'enquête pas pour capable continuer. Parce qu'il y a un groupe, je ne peux pas dire qui c'est là, qui je peux faire tout pour décourager nous pour continuer dans ce combat là. Une autre affaire, c'est là que je peux envie de dire, c'est que aujourd'hui, ce que nous trouvons là, c'est une affaire qui. Moi, je ne sais pas me trouver dans mon avis, dans le sens que je ne sais pas si dans Maurice, liberté pas existé. Ce qui nous trouvait, un du monde qui finit libre par le peuple, aujourd'hui, les bizarres mènent sniper, les bizarres mènent mobile force, mais tout ça pour protéger lui. Si pas signal le peuple, il est parti pour là. Aujourd'hui, il peut bien cacher le peuple, mais ce qui peut rester là-bas pour prendre la paix, pour continuer, vivre le peuple. Mais tout ça, c'est une affaire qui balle propre, qui est bien infinie corrigée depuis longtemps. C'est ce. On dit à je compte aux autres pour toujours derrière nous, solidaire en nous, et qu'il a, nous gagne ce combat-là ensemble aux autres. Merci. Merci. Nous passons aux camarades Ruben. Mais avant, passe Ruben, Rossi, nos camarades Tilak Dari. Laisse-moi dire à je veux bien garder autres mobilisés. Bientôt, nous prenons aux autres une date importante. Et sa date-là, bizarre qui Maurice, levé de mon peuple, sa date-là, bizarre qui Maurice, bouser.
l'île Maurice montrer qu'il parle les crimes, parler qui dit mon assassine dit mon, parler coquin nous l'argent et comment ça camarade fait dire ça ben dit mon là, je place c'est pas avec nous je place dans prison. Donc ben dit mon dans prison plus honnête que ça ben dit mon là, ça quoi moi. Nous pas jeter camarade Ruben. Ban camarade, aujourd'hui nous finissons un accusé dans la boxe. L'accusé c'est Sominaden. Aujourd'hui, il y a un accusé dans la boxe et il reste presque 4 à 5 ans dans la boxe. Au lieu, il vient défendre lui. Il y a un devoir pour défendre lui, une cause, la vérité, expliquer. Au lieu de parler, sa madame là, pas fin gain sur l'argent et jamais il fin travail comme constituency clerk. C'est connu qui dans le domaine public, jamais il fin travail comme constituency clerk. Et aujourd'hui, il peut venir essayer de cacher derrière technicalité pour sortir là-dedans. Ou les ou parler la vérité pour sortir et get aujourd'hui ou get mobilisation la police qui fait dans cas meurtre qui se nène la police pendant ça qu'on sait la police ça peut enquêter en plus si je tout tu peux enquêter tout du monde qui est au terrain la vérité tu peux sortir ICAC il fait une déclaration depuis le 8 décembre mais jusqu'à aujourd'hui non il n'y a pas encore trouvé la police si pas peut enquêter si la police veut faire ce travail comme besoin l'ICAC peut faire ce travail comme besoin aujourd'hui nous pas même pas besoin amener une private prosecution la vérité pour commencer et il peut arriver bientôt merci yes. maintenant mon autre frère nous cam non mais si il rentre dans la boxe il va se poser des missions la réalité maintenant Richardson d'art contre la réalité pareil non. Il va se poser démissionner. Ouais. Qui fait pas démissionner? Démissionner. 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 Parce qu'il y a des rats de la démissionner. Camarade Thierry Gary, s'il vous plaît. Allez, Sandy, parlons. Bon camarade, mon pareil, comment je. Question que je peux poser, nous aussi, nous peut poser même question. L'équipe Avengers peut travailler pour la vérité et pour la justice. Peine à aucun les autres motivations. Nous seule motivation, nous seule vie, la vérité et la justice. Aujourd'hui, nous pouvons trouver comment je peux faire pour avoir accès à public, à la presse, à la cour. Il y a un principe démocratique, il y a un principe constitutionnel. La justice, les fonctions de transparence. Public, la presse, en général, tout le monde a droit, a accès de la cour. C'est ça le principe. Justice peut opérer dans un système transparent. Aujourd'hui, nous-mêmes, ban avocat, nous avons une difficulté pour rentrer dans la cour. Et la ban gorille des services qui peut bloquer. Pose ou même la question. Get là-bas comme blindé, grand matin, on peut compter fini, blindé resté. Comme la police fin mobilisée. Aujourd'hui, la police armée jusque dedans, masquée. Et aujourd'hui, nous peut trouver. Est-ce que si ça, tu peux mettre sa qualité ressource là pour faire l'enquête de sa bande d'affaires crime là? Qui tu peux arriver? Ou bien est-ce qu'il ça dépense sa qualité ressource là pour protéger un ministre? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il y a égalité devant la loi? Aujourd'hui, nous trouvons, ministre là, tu peux dire avec la cour ou connaît qui moi, aujourd'hui, il y a une rate de boxe acquisée. Se place de boxe acquisée. Et question qui se peut demander. Est-ce qu'il y en a droit toujours siéger comme ministre et paraître de boxe accusé? Ça, c'est une question qu'ils ont même se pouvaient répondre. Sa private prosecution là, au début de cette année, l'IPMOC, le commencement du printemps mauricien. Dans les passés 20 ans de cela, plusieurs private prosecution m'ont fait leser. Et plusieurs private prosecution, final la cour fin écouter. Ni commissaire police pas tient à aucune objection, ni DPP pas tient à aucune objection. Pose ou même la question qui fait ici, ben là, il y a objection
pour écouter sa private prosecution là. Et pose ou même la question dans la cour Maïbou, mon camarade Bruno parle la même là. Trois private prosecution nous tu mettais trois main charge et un sauce provisoire. Là-bas, des pépins partis venir, pas gagné droit à mettre sauce provisoire by way private prosecution. Les tu venais, les tu disais, donne ça l'état, faire l'enquête. Après, les tu venais, les raies tous les quatre private prosecution. Et les tu disais, nous, quatre mois infinis passés, les tu disais, nous, pour faire l'enquête des affaires Wakashu. Quand il arrive l'enquête, combien de fois je n'appelle Bruno des affaires Wakashu? Je n'appelle lui des affaires sexe en provision. C'est ça la police Maurice. C'est ça ban institution. Ban institution peut faire, peut venir même. Et à cause de ça, citoyen peut prendre ses outils qui appellent private prosecution là, parce que nous envie qu'on la vérité, nous envie revendique la justice devant la cour. Et ça, c'est le moyen. Private prosecution. Tout le monde égal devant la loi. Mais ceci dit, moi, là, pour dire ça, pas de camarade, tout le combat pour la vérité et la justice. Pas de combat facile. Je remercie tout pour cette présence. Moi, dire ça, reste mobilisé. L'équipe Avengers peut travailler jour et nuit pour nous nasser avec sa bonne race politicien, couillonnaire, dominaire, volaire. Nous nassons. Nous bissons la vérité, nous bissons la justice. Nous bissons qui tout le monde égal devant la loi. Merci, bon camarade. Moi, je trouve bon camarade, résistance et alternative. Pareil, écoutez, nous dit à Bruno, beaucoup un applaudissement pour bon camarade, résistance et alternative, qui est tout le temps et encore la même. Et il y a pourtant un de mes groupes qui sont soldats, snipers, tout ça là qui fait parce qu'il y a un bouc qui ne lit pas le peuple, un ministre. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce ministre là, ils sont dans un langage qui s'appelle latin, ça ministre. Vous connaissez ce qui veut dire ça? Serviteur du peuple. Ministre veut dire serviteur du peuple. Jodi, pour protéger un ministre contre le peuple. Il nous amène autant blindés, tanks, fusils, snipers pour venir devant la cour, qui fait pour empêcher du monde, venir sympathiser devant la cour avec ce qui peut arriver. Ça lui montre où on a fait. Il montre où on arrive dans la fin du système, c'est ce qui finit là. Là, il y a un nouveau Lille Maurice qui levait du vent là. Nous recommençons avec un papier propre, papier blanc. Et nous venons nous mettre tout ce qu'il y a pour mettre pour y tirer des côtés. Venons avec un nouveau système qui pourra aller ça, nouveau système là. Il commence pas sa combat légal là, ça l'équipe Avengers là. Avec son reform party, avec tout ce qui pourrait n'avoir d'ailleurs pour trouver là. Ramène-moi chez des affaires. Pour qu'on tire un petit plus. Les gens prennent une date bientôt là. Quand nous vous enlèvent l'île Maurice net, nous prenons des places. Tout ce qui peut arriver. Nous pouvons faire lui avec, bien sûr, suivre tout le monde pour se dire légal. Nous pouvons faire un grand meeting. Quand nous l'île Maurice net levé, venu pour nous expliquer qui peut arriver, qui ne peut pas arriver, qui est aujourd'hui devant la cour, pour dire des affaires. Ce qui m'a dit pour dire légalement, pour dire dans la cour 9h30, ou venu mardi grand matin, moi, Sanjib Tilak Dari, pour nous tout causer, ils ont dit nous camarades Ramain fait une plaidoirie extraordinaire, ils ont tout écouté. Hein, mon gars, quand c'est transpiré à côté de moi, il fait chose là avec tout ça, l'émotion et tout ce qu'il dit. Il faut se léquer, vous connaissez pas que c'est légal, il faut se léquer. Mardi, nous pour continuer de VNB. Mais c'est seulement deux, trois affaires qui sont bizarres à côté. Ils ont dit comment je vais trouver, je vais donner un compte du monde qui peut faire avocat pour le bureau de PP, je vais aucun problème aux autres, tout correct. Mais seulement me trouver qui. Je peux venir dire devant la cour qui n'a pas le droit dans telle direction, une chance provisoire. C'est-à-dire, comment dire, je plus d'un côté la défense. Ça veut dire, je dis, comment dire, j'ai l'impression qu'une institution, il y a protège public, protège citoyen. Je dis, mais comment dire, je plus d'un côté la défense. Mais légalement, nous, pour cause de l'eau, là, mordi. C'est numéro un.
numéro 2, pas oublier qui dans l'enquête judiciaire, qui tu mettais, c'est bureau DPP même qui te mettait, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui qui nous gagne sa forum là pour nous aller nous montrer tout en évidence qui nous travaille, nous montrer dans la cour Moka, côté un cas suicide, qui la police finit dire suicide, tout le monde peut trouver foul play murder. Mais nous pouvons trouver une anomalie, comment là-bas il y a une enquête judiciaire qui DPP me mettait pour lever la vérité, mais ici, private prosecution, il y a une source provisoire, il y a un bloc salaire. Il y a une affaire qui va bien dérouler correct là. Comment ça fait pas dérouler correct nous trouver nous. Astère Mazine bien. Tout ça policier qui vient dit, tout ça ressources de métier comme bureau business toujours affecté aujourd'hui là. Tout ça là c'est juste pour protéger un bouc là. Pour protéger un bouc qui est un poste ministre à cause ça peut bien faire tout ça là. Et tout ça là, comment mon camarade là-bas n'a pas allé là. Tout ça là payé par où ça, car vous pouvez réaliser. Car cela sort dans vos postes là. Contribuable qui peut payer pour tout ce que vous pouvez trouver là. Mais il arrive là pour ce système là arrêté. Nous combattons, nous tous ici, côté légal, pour continuer jusqu'à ce que toute la vérité, une sortie, nous n'a pas pour arrêter. Arrive ce qui arrive. Comment vous habitez Jacob Watbe? Mais dans le monde, vous connaissez, ça va pas faire politique, pas faire telle affaire, pas politique, nous devons faire patriote. Patriote qui appelle ça, patriotisme. Et c'est nous pour aller pour faire du meeting, quand nous devons nous faire lire, nous pour annoncer, ça c'est nous pour faire. Mais nous pour guetter, c'est l'île Maurice, les Vénètes. Camarade Bridou, il y a 200 000 du monde. Après nous guetter, camarade Rama, camarade Rossibadet, combien a mené, combien de 1000 du monde pour faire là-bas, ça c'est là. Le peuple. Pour bizarre ici prend ses responsabilités si dans vie sans un système. Pas juste nous qui travaillons, tout le monde comme nous ici qui vient mettre nous les cœurs, nous la vie, tout en danger. L'état nous famille, tout ça fait. Le peuple aussi bizarre prend ses responsabilités. Jour, date, nous vous disons où, nous partons nous là-bas. Merci beaucoup. Bonne camarade, nous pas capable de terminer. Et un camarade Abel Pilé pour remplacer un camarade Pilé qui là, c'est lui qui peut faire l'enquête dans Kanakia. Kanakia, si je te dis à suicide, ouais. Kanakia, si nous vous montrez Jimoun qui Kanakia, c'est meurdeur, à la ouais. Ilaem. Non, mais le côté bizarre, Bruno, dis quelque chose. Bruno. Allez, expliquez que ça n'a pas encore moi. Il y a une enquête que nous pouvons faire dans Grigri. Et quand nous pouvons faire l'enquête là, nous pouvons découvrir beaucoup d'affaires. Et non, 7 caméras. Et il y a 3 lignes passeport entre là-bas. Et vous avez un passeport caméra Safe City. Vous avez un passeport caméra Man Dimoun Man Owner, qui est propriétaire du campement. Et là-dedans, il y a un ministre des Finances. Son campement trouvé. Et derrière son campement, il y a l'accès pour là-bas. Et dit à la police, elle prend sa caméra là. Guettez si sa caméra là fonctionne ce jour-là. Et si sa caméra là fonctionne la veille. Si elle fonctionne le lendemain. Et si elle fonctionne ce jour-là. Faire l'enquête comment bizarre faire. Et c'est ça que l'île Maurice Perronnet. Nous bizarre connaît qui est arrivé, ma camarade. Merci. Maintenant, camarade Bruno. Bonjour tout le monde. D'ailleurs, mon premier affaire, qui est là, je remercie les autres, t'appelles même les autres même. Ok? Il y a pour autant, je félicite les autres aujourd'hui, malgré toute sa répression là qui nous l'a. Je dis, je ne vais pas payer les moi. Je dis, commissaire de la police, ça aussi, je ne vais pas payer les moi. Parce que moi, la guerre, tout le temps, mon conviction, c'est qu'ils connaissent moi. Je suis tout le temps fight moi. Et sa situation là, pour moi, c'est quoi ce peu stress moi? Je peux enjoy dans la situation là, moi. C'est là que je vais me faire, comment nous dire. Plus je mets pression, je vais vous faire travail là, moi. Mais c'est une seule affaire que je vais dire. C'est un camarade qui fait un petit travail. Moi, dis-moi, avec une équipe, avec Maurichin, si ça bouge là, il trouve coupable. Je vais faire un sit-in avec l'île Maurice jusqu'à ce qu'il démissionne ici. Prépare-nous. Si il trouve coupable, nous pouvons faire citer une discalité démissionner. Parce que dans l'île Maurice, nous ne sommes pas capables d'avoir un régime Pinochet. Moi, tu dis, moi, pire une Pinochet, nous dans la prison après 20 ans. Mais si nous devons attendre 20 ans pour mettre dans la prison, il est trop tard. Nous venons affaires pour qu'ils nous mettent dans la prison bientôt. Parce que qui fait, quand on doit l'État un roupie, il vite pour la porte. Mais quand on a un poste l'État, bizarre mettre dans la prison, faire autre pleurer comme un petit baba. Merci. Bonne camarade, vive l'île Maurice, vive la vérité et nous rejoignons, je dois aller tranquille à la case, Gedenkoula. Kouma ministère est sauvé,
tout l'homme en aller. Ouais. Ça veut dire que la sécurité n'est pas importante. Allez, vive ce tout. Merci. Mardi, nous rejoignons. Merci. Merci ce tout. Merci. Vive l'île Maurice. Ali. Chers amis, sur la page defimedia.info, c'est Alkid Ramdine au micro et à la réalisation, c'est Ali Nobibokas. Nous essayons de donner un maximum d'informations de ce qui finit passer en cours de district de Port-Louis dans la private prosecution de Mme Kisnen contre le ministre Yogida Sominaden. Comment donne-nous différentes lives, nous finissons un peu plus tôt. Séance-là finit débuter ce matin avec l'argument du représentant du DPP, l'avocat du DPP Finvindia, qui la charge provisoire qui trouve dans sa private prosecution là n'est pas valide, les void, parce que dans une private prosecution, bizin ina la charge formelle. Il fin longuement exprime lui sa man point là pour dire qui impérativement dans une private prosecution, bizin ina une charge formelle. Par la suite, c'est au tour de l'avocat Rauf Gulbul qui fait une faire ce bon argument. Rauf Gulbul fin reprend en partie ce qui met Tajuddin Findia, le représentant du DPP, c'est-à-dire que la charge provisoire n'est pas tenir dans une private prosecution. Mais maître Rauf Gulbul finit un petit peu plus loin quand il finit décrit un petit peu l'affidavit de Mme Kisnen. Quand Mme Kisnen se demande à ce que Yogida Sominaden, le ministre du Commerce, soit arrêté, qu'il soit loin de caution et qu'il y ait une interdiction de quitter le pays. Maître Rauf Gulbul finit dire que Mme Kisnen, la veuve de Subramanian Kisnen, pas capable de substituer lui à pouvoir de la police, c'est juste la police qui est dans sa pouvoir là, et qu'il est bizarre retenir lui dans ce ban de monde. Nous rappelons autres qui ce ban aveuglement là, Mme Kisnen in fait dans ce la vie David, et à un certain moment donné, Maître Rauf Gulbul fin lance ceci, fin dire si is she the new sheriff in town, c'est-à-dire est-ce que Mme Kisnen c'est la nouvelle shérif en ville. Et par la suite, c'est au tour de Maître Halim Bokos qui fin faire ce bon argument pour concernant la charge provisoire, encore une fois, côté les finales d'homme même, direction que mette Rauf Gulbul. Et la magistrate Zinat Kassamali fait une bizarre break pour lunchtime vers 13h. Et vers 13h30, la cour fin reprend. C'est maître Ramaval Aiden, autour de maître Ramaval Aiden, qui fait faire ce bon argument lors la motion du représentant du DPP. Maître Ramaval Aiden fin direct, lui dire la police, tous les jours, vient la cour, tous les jours, arrête Dimoun, prend Ban Dimoun, met source provisoire, qui fait un individu pas capable de mettre une source provisoire, l'ON ministre, comme on nous connaît, tout Dimoun qui a arrêté, je vais faire face à une source provisoire, et puis, au bout de quelques temps, le DPP loge un case formel. Donc, Maître Ramaval Aiden fin montrer sa disparité là pour dire qui, comment est-il possible que la police, d'un côté, est capable de loger charge provisoire contre un individu, alors qu'un individu n'a pas capable de faire une charge provisoire dans une private prosecution. Maître Ramaval Aiden fin longuement élaboré l'historique de ban private prosecution de Maurice. Il fin aussi causé un peu qui différente avenue dans ban private prosecution.
après l'argument de Maître Amar Valaïden, ça aurait dû être autour de Maître Chibadin et de Sanjeev Tilokdari, mais la Cour, vu que la quantité de temps qui Banna pour prendre pour faire cet argument, la Cour fin joindre un avocat et fin décide pour ajourner les travaux pour le mardi 12 à 9h30. Je répète, les travaux ont été ajournés pour le mardi 13 à 9h30 en cour de district de Port-Louis pour qui les arguments, la validité de la charge, la validité de la charge de abuse of authority by public officer qui le ministre Yogi Dasso Minaden peut faire face, ça peut continuer ce mardi à 9h30 et ce sera autour de Roshi Badin et de Maître Sanjeev Tilokdari pour élaborer. Donc nous sommes aujourd'hui à la deuxième séance. Je finis de trouver en direct la foule qui finit de masser depuis tôt ce matin, malgré l'interdiction de la police. Aujourd'hui, c'est la deuxième séance. Nous rappelons qu'il peut y avoir une troisième séance et apparemment, ce qui nous peut entendre, un avocat peut dire peut-être qu'il peut y avoir une quatrième séance parce que la Cour, pour bien, donne ce ruling, c'est un argument qui finit de faire la validité de la charge. Je pourrais avoir l'occasion de tout nous en live qui nous finit de montrer la police qui m'a dit sur place ce matin, les membres de la SSU, de la GIPM, de la SMF, ben blindé SMF, tout au long de la cathédrale devant eux, comment vous avez trouvé. Je finis de déplacer maintenant, c'est là depuis bonne heure ce matin, et c'est dans un groupe de personnes qui sont aussi ici. Amazot ici avec Bruno Lorette qui se fait gagner l'occasion écoute lui ensemble avec ban avocat. L'information principale aussi à retenir c'est qui Maître Amar Valaïden et Roshi Badin fin annonce qui je pour faire un meeting un grand meeting pour expliquer un peu l'affaire qui se mène. Je pas encore révèle aucune date pour le moment mais je fin adresse à la foule qui est présent ici à la cathédrale pour dire qui je pour faire un grand meeting pour expliquer tout ça, les affaires qui peuvent passer dans l'affaire Kisnen. Voilà, nous sommes presque 16 heures. C'était une longue séance qui tient là aujourd'hui, comme nous venons de rappeler. C'était autour du DPP, autour de l'avocat de Yogi Dasso Minaden. Nous rappelons que la dernière fois, Yogi Dasso Minaden partit rentre de boxe des accusés. Maintenant, aujourd'hui, la ligne vini, les fins longuement. Assise de boxe des accusés et pour l'heure déjeuner, le ministre qui préfère reste dans la cour, malgré qu'il a coûté donner l'heure déjeuner, le ministre fin décide reste en cour et à la reprise et dès qu'il finit terminé, le ministre sans aucun accrochement, sans aucune bousculade, qui est entouré avec ce ban élément de la VIPSU et des autres unités, les fins rentrent dans un véhicule noir et les fins démarrent comme c'était la dernière fois. C'était un plaisir pour accompagner toute une journée lors de cette private prosecution de Madame Kisnen. Comment nous finissons déjà c'est mardi prochain qui nous pour retrouver ici, même lieu, même place, même la cour numéro 3 à Port-Louis pour la suite de sa private prosecution là. À découvrir, à suivre hein, le journal de 16h30 sur Radio Plus et l'info soirée que nous pourrions vivre en entier lors le déroulement de ce qui finit passer en cours intermédiaire aujourd'hui. C'était Alkiz Ramdine au micro et à la réalisation, mon collègue Alina Bibokas. Nous sommes devant la cathédrale de Port-Louis, la place côté remplie avec Zimoun toute une journée, avec les policiers qui sont bien entourés et quelquefois finena bande dérapage. Nous rappelons nos pensées et na deux arrestations, mais plus d'informations, je pourrais lire dans nos bandes différentes chaînes d'infos et plateformes du défi Média Group. Merci, au revoir.